Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live et sur cette nouvelle mission de USC Counter Force. On est toujours sur les ventes de Noël. On cherche les 150 cadeaux, on est à 89 sur 150, mine de rien, ça avance plutôt bien. Et on va se lancer sur une mission pour aller débloquer le Primotron Chimera. Donc ça va être une grosse mission, une opération en 3 missions de la même manière que celle qu'on avait faite pour aller sauver des scientifiques, sauf que cette fois, c'est assumé, on a perdu le contact avec une base de recherche qui a probablement été complètement envahie par les aliens. Et cette fois, on s'attend pas à des survivants. Par contre, heureusement, les aliens ne s'intéressent pas trop aux recherches scientifiques, donc on s'attend à ce que les serveurs soient encore fonctionnels. Et du coup, on doit s'infiltrer, pirater les données et ressortir avec. Et cette fois, on s'embête pas avec des survivants. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y aura possibilité de trouver des survivants. Je n'ai encore jamais fait cette mission. Donc on va voir. Elle est plutôt pas mal parce qu'elle va nous permettre de débloquer à la fois les munitions de minigun explosives inflammables et le Primotron Chimera. On va aussi débloquer le masque à gaz qui pour l'instant j'ai pas trop trouvé d'endroit où il pouvait servir. Et les grenades acides qui sont probablement très bien, mais vu qu'on n'utilise pas trop de lance-grenades, vu qu'on a notre lance-flamme et notre minigun. Pour l'instant, ne sont pas super utiles également. Mais ça pourrait permettre de diversifier un peu. On va partir avec deux escouades, pareil, parce que j'aime bien jouer mes 12 personnages. En autosave, c'est parti. Donc, on part avec l'équipe Le Cygne, l'équipe Chobiti, toujours. Normalement, on est bien en termes de points utilisés. 0 ici, 55 là. Donc, pas de problème. C'est parti. On y va, on avait équipé quelques prototypes suite à notre dernière mission qui nous avait permis d'acheter genre une hache un peu prototype qui met du saignement. Alors, c'est parti. Phase 1, sécuriser le périmètre. Ok, donc c'est du Seek and Destroy. Là, on commence par du Seek and Destroy. On doit trouver tous les ennemis et les tuer. Alors, les scans orbitaux ont révélé les ruines complètes de l'installation de surface avec des nids aliens. Ah oui putain, 93 aliens et 5 nids. Oh la vache! Ok, avec des nids aliens parmi les restes. Les escaliers qui descendent vers le sous-sol se sont effondrés, donc on est actuellement en train de faire des scans avancés pour essayer de trouver le meilleur endroit pour en gros balancer une grosse charge orbitale et faire un trou. En attendant, vous êtes libre d'engager les aliens de la manière dont vous le souhaitez. Le temps n'est pas un facteur majeur. Il faut que le secteur soit nettoyé. Ok, très bien. Donc on n'a pas de secondary objectif, pas de spéciale condition. On doit tout buter. Et c'est tout. Et on commence tous ensemble dans un coin de la map. Parfait. Avec des nids. Ah oui, effectivement. Ah, on a 3 nids caches visibles, 4 nids caches visibles. Ah, en fait, on a même un scan orbital. Donc on voit tout ce qui est statique, on le voit. Ah, excellent, il y a un rover ici, non? Donc davantage, c'est qu'on voit les cadeaux. Là, il y a du sombre, donc il y a probablement du Shadow Envoy ici. Là, un peu de Shadow Envoy et visiblement un voire deux aliens de Noël. On a quand même du loot, c'est plutôt cool, parce que buter 93 aliens et 5 nids avec nos munitions, ça va être chaud. Donc la priorité, ça va être d'éliminer ces nids. Et de préférence, on va essayer de les faire à la hache. Et au katana pour économiser nos munitions. Donc on est déployé un peu comme on veut, hein, visiblement. C'est un peu la teuf. On va essayer de se tourner un peu pour tout voir. Ok, pour le moment, on voit rien. Très bien. Donc c'est parti, on va avancer un peu. Là, un scorpion. C'est tout pour le moment. Il va forcément falloir qu'on se déploie un peu sur ce début là. On va envoyer notre médic ici, voir un peu dans le tas là. Pour l'instant, il n'y a rien. Pour l'instant, c'est un peu calme pour une zone à 93 aliens. Parce que 93 aliens et la zone n'est pas grande, hein. Donc ça doit tellement grouiller là. Ah, est-ce que j'ai vu une tourelle? Ah non, c'était un mur, c'est un mur. Je crois que c'était une tourelle, mais c'est une tourelle sur un mur à la rigueur. Alors toi, si on se met en diagonale. Ouais, mais tu vas être caché derrière l'œuf.
de toute façon. Genre on pourrait te mettre là. Il est caché derrière l'œuf, donc pour l'instant c'est pas le moment pour y aller. Rééquiper les armes de poing pour commencer à progresser. Envoyer un mec de corps à corps par là. On détecte rien, hein. Vu que t'es un petit peu avancé, toi, on va te balancer un petit scan. Ok, pour le moment, les ennemis sont assez loin. Et salut Squash, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien en ce 31. Ouais, donc visiblement on a des petits là, on a celui-là qu'on voyait déjà, deux derrière, mais globalement c'est plutôt calme. Donc il va falloir qu'on se concentre sur nos amis les nids. Dans un premier temps, on va peut-être les laisser venir. Là, on n'a personne du coup, hein, visiblement. Ah là, ok, il y a un petit windworm là. On peut avancer. On va envoyer un minigun également pour aider. Vous, vous allez essayer de gérer ces trucs-là. Là, on va envoyer du renfort où ça? Toi, tu pourras te mettre là. Hop, tu t'accroupis, tu défends. Pour le moment, on se déploie. En défense. Toi, pareil, t'équipes ça. En défense par là. Ici du coup, toi, tu t'accroupis, tu défends. Le film Medic qui va défendre par là et toi tu vas défendre vers le bas. Là de la même manière. On sait qu'ici déjà on a un foutu scorpion là qui va essayer de s'approcher. Donc il faut absolument qu'on l'élimine avant qu'il ne nous atteigne. Ce qui devrait normalement être de l'ordre de l'envisageable. Un médic là pour couvrir un peu vers le bas au cas où il y a des trucs qui sortent ici et qui viennent nous emmerder. Et on est parti. Déjà, on se déploie en dehors de la zone. On a du temps, hein. On n'a aucun objectif de temps ici, si ce n'est de buter les nids avant qu'ils nous invoquent des saloperies sur la tronche. Donc on va les laisser venir et se fracasser sur nous, tant qu'à faire. Un de moins. Alors ils sont 100, hein, donc... Le pourcentage d'activité, il va se sentir. Ok, un autre scorpion ici. Si on pouvait le péter. Ok, bon, il a foutu un petit peu le feu, mais pas tant que ça. Il a quand même pu s'approcher assez pour nous taper. Là, on se rate. Allez là, tuez-le. Merci. Bon, pareil, on n'a pas foutu le feu au nid, mais tant pis. Visiblement, les développeurs envisagent de mettre le jeu en français dans une réponse à une conversation Steam. Ah, ça serait intéressant, effectivement. Squash, j'avoue. Ah, parfait, là on a mis le feu au nid, ça c'est nickel. J'avoue, ce serait intéressant, Squash. Ok, là il a pu s'approcher suffisamment, on n'a plus de zone de surveillance. Dans le coin. Bim. Bim. Il fait le tour du coup, il se casse. Il va se soigner quelque part. Bah, c'est vrai que le jeu est quand même compliqué à prendre en main. Hein, donc avec un peu de français. Bon, il y a pas mal de tireurs quand même. Hein. On s'est pris un certain nombre de fessées. Excellent, il le rate. Ça s'approche en nombre quand même, hein.
Ok, là ça devient un peu plus gros. On n'a plus de zone de... On n'a plus de surveillance là. Ah non, on l'a raté. La vache, ils sont tellement nombreux. Ok, ça va être la teuf. Il va falloir qu'on y aille au lance-flammes comme des gros sacs. En plus, ils nous lâchent des œufs dessus. On a les Shadow Envoy qui arrivent, ça y est. Qui se collent à nous en plus. Nickel. Ok, donc là on est dans la zone noire, mais il n'y a pas tant, ça va. T'as pas le son du jeu, c'est silence total. Ah oui, effectivement, on dirait que le son n'a pas été pris, je ne sais pas pourquoi. Alors attendez, il va falloir que je regarde ça. Tac tac tac, capture de son. Parfait, il veut pas le prendre. Alors, je vais devoir, je pense, relancer le jeu. Je vais mettre le record en pause. Hop là, on est de retour et on a bien le son du jeu. C'est parti. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit que t'étais pas fan des graphismes. Moi, je me souviens. Je me souviens de ça. Alors, du coup, là, normalement, avec eux, on a du perçage d'armure. Donc, ça serait plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on peut scatter? Non, ils sont trop proches. Putain, les PV que ça a ce truc. Ok, on va se détendre. Les graphismes pas clairs, je me souviens que tu m'avais parlé de ça, effectivement. Ok, là je suis pas dans l'alignement. Si, je suis dans l'alignement là. Je suis dans l'alignement, je peux leur cramer la tronche. C'est pas mal. On a notre sniper ici qui est disponible. Mais qu'il n'y a pas vraiment d'angle à cause de ça. Là, il n'y a que lui et puis le petit truc derrière, on devrait pouvoir se le faire facilement. Et du coup, limite Aminu qui est quand même notre un DPS de zone est presque mal placé. Bon, là, je pense qu'on va ouvrir en leur mettant le feu. Même deux fois. Histoire de les papouiller un peu, comme on dit. On a plus de munitions. Par contre, j'avoue que le full burst, là, je pense qu'on va pouvoir gérer ceux qui sont au contact, mais alors ceux qui sont derrière, ils vont nous allumer, hein, au prochain tour. Et salut Khazar Zero, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Bon, il va falloir qu'on claque ça par contre. Faut qu'on voit un peu les PV, donc lui est mort. Ok, parfait. Faut qu'on se concentre sur l'autre maintenant. Ici, on a 380 PV, ici on a 680 PV, putain. Bon, on en a tué 3, il reste encore 5 nids. Les nids vont mettre un petit peu de temps avant de nous popper des trucs à la tronche. C'est la bonne nouvelle. Alors toi, si je te ramenais jusqu'ici, il te resterait 17. Ouais, non, c'est trop peu. C'est bien trop peu. Toi, tu vas venir là. Tu vas mettre deux petits pansements déjà pour aider un peu. Ici, on va se déplacer sur le côté. Comme ça, on prend l'armure de flanc. Ok, lui normalement il devrait être mort, même pas, 124 pour 400, pour 86 l'enfoiré. Ici, il faudrait qu'on vienne par là, on est coincé, il faut qu'on fasse du chemin, on peut buter de l'œuf ici, c'est pas une priorité. Tu es une lumière, bienvenue au club, c'est mignon. Ok, on va lui allumer les fesses. Alors c'est ça qu'y a PV que c'est, ces monstres, c'est ouf. Yes, sir. Du coup, on vient ici.
On l'allume. Il est mort, il est mort. Ok, parfait, il est mort, on recharge. On va voir ce qu'on peut faire avec ce qui nous reste de munitions. Toi du coup, t'as plus grand chose. Ici on est encore full, ici on est presque full. Aminou, c'est pas possible de faire ça. Tu pourrais peut-être faire un petit Seeker Bolt ici. Touche ton pote, bien joué. 79, je pense que ça suffit. Ouais, ça suffit. Bon, heureusement, on lui a fait 0 dégâts. Mais c'est quand même pas ouf. Et salut à l'astre, hein, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Si on peut avancer jusque là. Alors, le repousser, c'est pas forcément l'idéal parce que ça nous demande des points après. Donc, bon, on va dire qu'on lui a fait un peu de dégâts déjà. Donc, ces deux-là sont morts. Merci à l'astre pour ton resub, joyeux Noël à toi aussi, ça fait bien plaisir. Et d'ailleurs, il va falloir que je fasse les décomptes de Tipeee, mais tu vas devenir un petit mécène pour ce mois-ci normalement. Merci aussi pour ça. Donc ici, l'idéal je pense c'est qu'on va se faire celui-là en full burst. Normalement, on a un perçage d'armure très correct. Même si ces trucs sont des vrais saloperies. Putain, 688 PV il lui reste encore, sérieusement. On lui a mis 49. On a de la grenade. C'est pas ouf. Est-ce que toi tu pourrais aller jusqu'ici? Non. Et jusque là? Non. Mettre un coup de lance-flamme, mais non, c'est pas possible. Ben merci Alas, c'est très gentil de le dire. Attack. Ouh, le 162 il fait plaisir. Okey-dokey. Allez, un autre. Non, presque. Engaging enemy. Allez, un petit dernier, attack. Là il est mort. Ok, normalement. Donc là on a notre hache améliorée qui met des 17 de saignement par... par coup, du coup on lui a mis 202 stacks de saignement là. Ouais, on voit un 99 plus sur le truc. Donc normalement le Shadow Envoy il devrait mourir. Par contre on a tout cramé pour s'en occuper. Il ne reste pas du tout de quoi s'occuper de la Mother là. Avec 1000 PV, sérieusement, 1000 PV. Ils sont fous. Ils sont fous. J'en suis à combien de cadeaux? Là j'en suis à 89 hein, sur 150. Bon, toi tu vas reload pour le prochain tour parce que clairement on va avoir besoin de ton lance-flamme. Aminou pareil, tu vas nous équiper ça. Et tu vas te rapprocher par là. Je joue deux escouades, tout à fait, ouais. J'aime bien jouer deux escouades. C'est, là on est parti sur une opération. Donc un enchaînement de trois missions. Et j'aime bien jouer des... J'aime bien jouer 12 personnes sur ce genre de mission. Ok, il y a du peuple ici, hein, du crawler, du worm. C'est quand même plutôt calme. On peut reculer un peu. Donc lui est mort. Lui est mort, lui est mort, lui est mort, lui n'est pas mort. Là, on n'a plus rien. Là, il nous resterait un full burst. Mais si je bouge, je l'ai plus. Si je pouvais... Non, il est planqué derrière le caillou là. Si je me mets ici, c'est 4 pour tirer, mais j'ai rien dans l'angle. D'ici, j'atteins quoi? Pas grand chose. Ça, mais c'est nul. Ils sont déjà morts. T'as jamais essayé, il y a assez d'ennemis avec une seule escouade. Ah oui, bah c'est le jeu. Bah là tu vois, on a une première phase, il faut qu'on élimine tous les ennemis de la zone. Il y a 5 nids et 93 ennemis, on a déjà tué 3. Donc autant dire qu'on a de quoi se faire plaisir. Si je vais ici, je peux faire un short bust, mais pas sur celui-là. Bon, je vais avancer là, mais ouais, on est d'accord que je le vois pas lui. Fuck. Et ici, on voit... des morceaux de nid, mais c'est tout, pas cool. Du coup
coup, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire avec toi. Notre ami le sniper, on peut shooter ça par contre, ou ça, plutôt ça. Il a une grosse armure, mais on le fait reculer un peu. T'as plus de munitions, pas cool. Donc il nous reste lui, qui est full encore. Qui ne voit rien malheureusement à cause de... de tous les gens qui sont devant. Si tu viens jusqu'ici, qu'est-ce que tu vois? Tu vois celui-là déjà. Ok, un de moins. On pourrait finir lui. J'ai massé l'idée. Oula, je sais pas si on l'a fini là. On voit pas sa vie. Là on a 2-3 Worm Pig, un orphan là qui est hyper désagréable. Ah, faut que je recharge. J'aurais pas assez pour retirer après. Fuh. Comme dirait l'autre. Zut, même lui il est trop loin là. Même avec un nouveau scan, on voit rien. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Pas grand chose hein. Toi il te reste un petit peu, donc vas-y avance. Daemonic Shobiti, elle est bien placée. Toi tu peux progresser d'une case également. Le bleu, il lui reste. Il reste un truc quand même, on peut quand même tirer quelque part, non? Même pas. Endommager ce machin là de loin. Pff, fera rien, ça sert à rien. On se place pour la suite. On va jusqu'ici et on entame un peu ça. Allez hop, c'est parti. Chaque balle compte. Donc ça, c'est fait déjà. Alors on va prendre cher avec les autres, hein, mais au moins ça c'est fait. Normalement là ça meurt. Là, ça meurt. Oh putain, il est pas mort. Pourquoi il est pas mort? Ah, des fois ça bug, c'est chiant. Là il est mort. Bah j'aurais dû mettre un petit champ de burst dedans. Des fois c'est pas clair, hein. Normalement là, je suis quasiment sûr qu'il était censé mourir. Ok, les petits verts qui avancent. On a Ibu Medic qui est un petit peu devant là. L'avantage c'est qu'on bloque le chemin. Donc... aïe, aïe. Oh les stacks de saignement quoi. C'est vraiment des saloperies ces trucs là. Ah, il va te falloir un coup de main médic là, sinon tu vas un peu galérer tout seul. Même si bon, ceux qui vont nous faire du dégât c'est les deux gros tas, hein, on va pas se mentir. Et c'est vrai qu'ils peuvent attaquer au corps à corps et aussi, tiens j'ai oublié. Tu marches dans les trucs pour se soigner quoi. Avec deux escouades tu as le double cadeau sur la map. Non, pas du tout, toujours le même nombre de cadeaux. Putain, il y a Damned qui perd du moral là. C'est toujours le même nombre de cadeaux sur la map. 15 cadeaux max. Là on va prendre cher, non il il se recule. Oh merci, je sais pas pourquoi il a décidé de se reculer mais... par contre lui c'est abusé hein. Alors, cela dit s'il s'enfuit, ouais il s'enfuit. Ah mais oui il se régénère, il s'est régénéré avant. Avant de perdre en fait ses PV certainement. La saloperie. C'est pas rentable, ah non non c'est pas rentable hein, à l'astre hein. En termes de ramassage de cadeaux, pas du tout. Mais là, je fais cette mission parce que ça me débloque des choses dans l'inventaire. Ah putain, on s'est fait tranquilliser. Mais c'est clairement pas rentable. Hein. Avec l'enchaînement de missions, c'est 15 par map, donc c'est 45 du coup. Ok, alors toi du coup, t'es peut-être mort. Alors déjà, on va faire un scan. Non, il a régénéré suffisamment pour ne pas mourir, donc il va falloir qu'on le termine. La médic, ma chère, tu te mets du petit pansement. Après, tu nous tues ces deux-là. Non mais franchement, tu l'es quoi? Tu fais quoi là?
T'es sérieuse? T'es sérieuse? Tiens, crevé en fait, c'est ça. Ouais, tiens, à crever visiblement. Pas de soucis, hein, si tu veux mourir, tu mourras, mais j'aimerais bien que tu m'entraînes pas avec toi, c'est tout. Lui, il a eu la gentillesse de venir se coller. Donc on va le défoncer. Même si ça nous coûte cher à cause de la tranquillisation. Hop. Putain, quantité d'armure qu'il a cet ennemi, c'est ouf. Allez. Ça c'est fait. Ok, on avance. Ici, on a pris un peu de saignement, mais c'est pas si dramatique en vrai. Hein. Bon, toi par contre, il va te falloir d'huile. Hop. Est-ce qu'on peut pas aller mettre un petit disperse là-bas là ? Franchement, ce serait cool. Genre, tu viens là. Tu gagnes une petite case. Tu te disperses dans leur mouille là. Tu te mets là. Tu leur crames la tronche. Voilà, un de moins. Et alors, le reste n'explose pas ? Ok, cette déception ! Il y a des Zidrazine pool tout là-bas, mais on dirait que les radioactives pool ont neutralisé l'hydrazine. Fuck. Ça, c'est pas cool, ça. Je dirais même plus, c'est vilain. C'est extrêmement vilain. Relève-toi, toi. Mets-lui un petit coup dans sa mouille. Alors, est-ce qu'il va se régénérer? Je peux pas vraiment permettre d'être pas être sûr. On va le tuer, tant pis. On va venir tanker jusque-là avec toi. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Ici. Ah, là, il y a un œuf qui est en train de grandir, ça y est. Ici. L'idéal ce serait de se débarrasser de ceux qui sont proches avec des armes de proximité. Voilà. Est-ce qu'on a des petites grenades? Là on a de la grenade. Là. Balance donc une grenade là-dedans. Hein. Péter tout le Zidrazine là. Ah mais en fait à chaque fois qu'on tue ces saloperies d'œufs là, ça fait de la. Ça fait du radioactif, donc du coup ça désactive l'hydrazine, c'est bon à savoir. Et salut Kaiser, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. Si je viens jusqu'ici, je pourrais faire un full burst. Sachant qu'il y a encore un Shadow Envoy visiblement là, c'est pas idéal. Par contre, si je viens genre là, je peux lui avoiner ses fesses. Après je vais là et je peux faire pareil avec lui. Bon, on claque tous nos points. Tu t'arrêtes là, tu mets un petit soin. Est-ce que tu as besoin d'une pique ou... On a 8 de stack de poison quand même, mais tant qu'on n'a pas éliminé cela, je pense que c'est pas la peine non plus de s'exciter sur enlever le poison. De toute façon, ils vont être énervés. Toi t'as tout cramé. Toi il te reste encore des munitions et des choses à faire. Là aussi. Aminou il est full. Est-ce qu'il y a un endroit où on pourrait balancer un lance-flamme intéressant? Ça brûle. Ça brûle pas encore, mais ça commence à être endommagé. Pour le moment pas trop. Alors là. Tac tac tac, il est où le bleu? Ah il est là, ok, oui c'est toi qui est. C'est toi qui est tranquillisé à mort et qui a pu. Enfin qu'il va falloir qu'on soigne d'urgence aussi. Là c'est pareil, on a pris 31 stacks de saignement. Si je vais jusqu'ici, je peux avoiner lui.
C'est pas si mal. Toi, tu vois quoi? Tu vois pas lui parce qu'il y a un minou devant. Faudrait qu'on se débarrasse de ça. Bon, toi, t'as pas beaucoup de points, donc tu vas t'occuper du nid. Voilà, avant qu'il nous pop des saloperies quelque part. Est-ce que tu peux t'occuper de ça? Si tu vas jusqu'ici, il te reste 2 points. Non, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Toi, il te reste des points, mais pas assez pour t'approcher. Tu vas quand même venir par là. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Pas grand-chose. En plus, il y a l'autre saloperie toujours derrière là. Là, on a un alpha, nickel. Pas du tout la merde, hein. Enfin, j'aimerais bien me débarrasser de lui là. On voit sa vie. Ouais, il manque pas grand-chose, hein, pour crever. D'ici, on peut tirer dans les fesses de celui-là. Voilà, un de moins. Ça, c'est cool par contre. On recharge. Et donc, toi, du coup, si tu t'arrêtes. Il va y avoir le mur sur le chemin. Je pense qu'il va jusque-là. Ouais. Et là. Ouais, on va avoir le caillou. Ouais, on peut pas le voir. Tant pis, c'est pas grave. On va tirer sur celui-là. Ça fait quand même pas mal de taf. Plus que 236 PV. Et on est prêt à se faire un petit patch de soins avec le dernier point d'Ibou Medic. Donc toi par contre, là tu peux le voir. Avoine-le. 97 pour 97, c'est parfait. Tu vois celui-là, pourquoi pas. Tu vois le nid aussi, qui t'empêche de voir ça visiblement. Ok, pas mal. Encore un coup. Là normalement, 2 PV pour 51 de saignement, c'est fini. Tu vois celui-là également. Parfait. Ah oh mais non, mais défonce-le mieux que ça. Défonce-le mieux que ça quand même. Ok, parfait. Parfait, parfait. On voit pas lui. On voit la petite merde là. On peut se la faire. Ça c'est fait. On reload. Il nous reste qui? Il nous reste un minou. Et c'est tout. Alors un minou, qu'est-ce que tu pourrais faire de beau? Tu pourrais tenter un disperse, je pense, par là-bas peut-être, si je te mets ici. Dommage ça, si je me déplace d'une case, j'ai encore 12. Mieux. Péter là. Bon. C'est un peu à l'arrache, mais c'est pas si mal en vrai. C'est plutôt un bon tour. Toi, il te reste 5 points, tu vas te placer pour la suite. Ici, il nous reste. Toi qui a 4 points. Ok, on va te mettre. Non, on peut pas te mettre par là, on va te mettre par là. Là, il y a un truc qui va sortir et venir nous taper dessus. Il faut aussi qu'on ramasse les cadeaux, hein, pour l'instant. Complètement mis les cadeaux de côté. En même temps, on avait un peu autre chose à foutre, pour dire ce qui est. 41 stacks, c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours ça de prix. Alors, toujours les petits verts qui jouent en premier. Il y a un cadeau là aussi. Ah, un scorpion. Il essaie de se faufiler dans notre dos.
Lui, il se replie toujours plus. Je suis pas sûr qu'il finira par mourir du saignement, mais bon. Ah, des skeeters. Ok, il y a du peuple qui arrive en bas. Lui, il s'en fout, il marche dans les flammes, hein, il s'en branle, c'est la ligne droite toujours. Et on se détend un peu là. Ah, ça y est, il y a lui qui arrive. L'autre, il fait des dégâts de zone à ses potes, il s'en branle. Voilà, explose. Ça nous en tue un, même si c'était un petit verre à la con, c'est toujours ça de pris. Ah putain, on prend tellement cher avec les stacks de saignement et tout dès le début, quoi. Bon, on en a quand même plus que 75, hein, ça a fait le taf. Hein. On nettoie quand même, on ventile un peu, comme on dit. Alors là, il faut que tu m'enlèves des stacks là. Toi t'as quoi? T'as 14. Vas-y, fais une piquouse. Après, passe en full burst. Défonce-nous celui qui se régénère, s'il te plaît. Ok, on pourra le finir au katana. Ça, c'est pas très bon par contre. On a moins de perçage d'armure avec le katana. Ici. Allez, avoine démonique là. T'es sérieuse, tu veux pas le tuer plus que ça? Avec tout le saignement qu'il a. Ça peut le faire. Si on regarde les PV, lui il est mort, ok parfait. Lui il est loin d'être mort. Là il y a le nouveau. Alors normalement là toi, genre si tu... Alors faut que tu reload. Ouais, si je viens disperse dans le coin, ça veut dire qu'il faut qu'on recule à max. Tant qu'à faire avant de reculer à max. On va se mettre un petit bandage. C'est pas toi qui va faire du dégât de toute façon. Viens ici. Je sais, tu vas prendre du shadow, mais c'est comme ça. Il faut enlever du saignement là. Voilà, un max. Ok, c'est pas si mal. Maintenant, si je veux aller jusqu'ici, pour le moment, faut que je fasse tout le tour. Viens là, toi. Affirmative. Commencer un petit peu le gros bordel dans le coin là. Ok. C'est pas si mal, mais c'est quand même pas assez. Il lui reste encore 1000 PV à cet enfoiré. Ah, en plus, il se soigne en atterrissant dans ces saloperies de trucs là. Ok, on lui fait 111 en moins. C'est pas mal. C'est pas suffisant, mais c'est pas mal. Là, on va reload. Donc toi t'as plus de points, tu peux mettre encore un pansement, vas-y, ça sera toujours ça de prix. Ici, on peut aller là, on peut éventuellement aller gérer lui, mais non, il y a des flammes partout, donc plutôt non. Tu peux éventuellement remonter là,
te préparer à taper sur ça. Avant qu'il commence à nous emmerder à faire des nids, des œufs comme là. Celui-là on a dit, il est mort. Tu peux te pousser un peu toi peut-être. Hibou médic. Tu te soignes avant de crever. Vas-y, soigne-toi, même si c'est un peu chiant de cramer des points là-dessus. Aminou, tu vas venir là. Tu vas me cramer ça un coup. Voilà, merci. Après, il faudrait que tu viennes plutôt là. On te met un petit pansement, tu changes d'arme. En Seeker Ball, tu peux toucher ces deux-là. Ou te rater potentiellement également, bien sûr. Ouais. On va le trancher un peu lui pour lui mettre du saignement, même s'il avait traversé son armure, ça va être moins facile. Le petit katana fait quand même un peu le taf, on va pas se mentir. Alors on a nos eux qui n'ont pas joué, eux qui n'ont pas joué également. Ce qui nous laisse quand même quelques possibilités. Si on vient jusqu'ici, on peut faire quelques full burst, on peut passer par derrière. On peut passer par derrière. Est-ce qu'on peut s'approcher de lui? Là, il y a des flammes, il y a des flammes. Là, on s'approche beaucoup de celui-là. D'ailleurs, il faudrait qu'on le finisse, celui-là, éventuellement. Ça serait quand même pas mal, mais plutôt les ingés. Pour avoiner dans le noir, là. Oh oui, 257, c'est bon ça. Un dernier. Seulement 66. Théoriquement, il est mort. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On peut buter l'œuf. On peut assurer en terminant en tout. Ça, on est vraiment sûr de sûr que le jeu va pas nous la mettre à l'envers. Maintenant celui-là. C'est pareil, ce serait pas mal si c'est un sniper qui pouvait se le faire. Je le vois plus du coup. Non, je le vois plus, il est planqué derrière l'alien bed là. Derrière je ne sais quoi d'ailleurs. Un truc en tout cas. Ok. Alors, j'aimerais bien me débarrasser de ça. Yes, sir. On va donc passer un peu par derrière et l'avoiner. Un dernier coup, voilà, 93 pour 21, c'est bon. On va aussi buter le nid, comme ça, il n'y a plus de nid. Enfin de... d'œuf, pardon. Là ça te prie. Est-ce qu'il y en a un avec un petit peu de points de mouvement? Attends, on a tellement de trucs à tuer, comment tu veux qu'on aille chercher les cadeaux quoi? C'est tellement le bordel. Ok, toi tu peux aller par là, de toute façon faut que tu descendes. Tu ramasses le cadeau au passage. Et après tu descends ici, tu pourras pas faire de full burst. Là tu pourras faire un full burst. Vas-y descends. Ah, il y a le scorpion ici qui va nous emmerder. On tape un petit peu. Ok, il nous reste toi. Ça c'est mort, ça c'est mort. L'autre là, il est planqué derrière ces trucs, on peut rien y faire. Sauf peut-être... Non, parce que là il y a le caillou, donc même si je remonte c'est mort. On va descendre un peu, voir les angles que ça nous offre. Peut-être sur des trucs ici. Bouge là. Voilà, on peut shooter ça, bouge là. C'est toujours ça de pris. On descend là, on peut shooter ça. Pas mal. Un dernier tir, il est mort. 13 pour 71, il va laisser des petits trucs derrière, mais il est mort. Ok. Mine de rien, on DPS pas mal. C'est parti. Toi t'es mort, déconne pas, merci. Toi t'es mort. Toi t'es mort.
Toi, t'es censé mourir aussi? Non, t'es juste tranquillisé, ok. Y a plein de petits vers, mais les petits vers, honnêtement, on s'en tamponne totalement. Ah, il a peut-être été soigné en rentrant dans la zone de lui, là. Ah non, pas un truc comme ça. Saloperie. Saloperie. Bon, lui, si ça reste comme ça, on va pouvoir le tuer, ça va faire un peu péter tout le monde autour. Ça sera plutôt pas mal. Non, il recule. Ah, il reprend 100 PV, 50, 200 PV. La vache. Ah, ils sont relous à reculer pour se refaire. Hein. Ok, il fait le tour pour attaquer Aminou. Ça va, c'est acceptable. C'est l'heure des Reapers. Et de lui. Ok. Qui s'arrache encore plus loin. Quoi ça? Il y a des trucs qui sont nés là, il y a de nouveau 73 ennemis. Merde. Oups. Ouais, il y a de nouveau 73 ennemis. Un swarmer ici là. Ah oui, c'est l'autre, il a fait des petits là, c'est lui là. L'enfoiré. Vas-y, tue-le toi. Merci. Après, il va te falloir un petit soin. Une petite picouse également. Il faudrait que tu ailles mettre des picouses aux autres, mais ils sont un peu loin. Peut-être mourir du saignement, on va se rapprocher là pour avoir notre soin. Voilà, moins 14. Toi du coup t'as un angle là, tu mets ça. T'as un angle là, vas-y, commence à l'endommager. C'est pas l'idéal mais c'est pas très grave. Quelles sont nos possibilités? Notre médic, il va falloir qu'il passe du temps à soigner là. Hein. Genre tu vas venir ici, mettre une picouse là. Toi, tu me pètes ça. Là, tu viens là. Tu me pètes ça. S'il te plaît. T'es sérieux? Merci. On le voit plus l'alien de Noël là. Il s'est barré trop loin. Il va falloir qu'on élimine ce truc là et ce truc là. Mais ça pas au contact. De préférence. Démonique, ça serait un bon choix pour éliminer celui-là. Alors je repousse lui-là, voilà, dans les flammes, parfait. Toi tu recules d'une case. Toi il te reste assez finalement. Tu vas te pouvoir. Alors, faire un peu plus de dégâts de ça, tant qu'à faire. Sérieusement, 11 dégâts? Mais qu'est-ce que tu fais, Ivy là? Il a pas d'armure pourtant cet ennemi, faut arrêter les conneries un moment. Bordel, j'ai pas envie de le repousser. Sans déconner. Allez, merci quand même. Sans blague quoi. Gars, faites ce qu'il faut pour les finir quoi. Bon, un scan.
Lui est censé mourir. Du coup, il nous reste un petit là. Là, on a pris pas mal de build-up. Éventuellement, il faudrait qu'on aille jusqu'ici pour se prendre un pansement. Il nous faudrait. Ok, on peut avoiner là. Un reload. Ok, on va là. Ibo Medic, tu mets le petit pansement qui va bien. Lui, on lui a mis zéro saignement, mais on peut le finir comme ça, parfait. Là, on peut sniper ici également. Dans ses fesses, donc c'est plutôt optimal. 34, on voit pas sa vie, dommage. C'est fini. Parfait. Parfait, parfait. Ça commence à aller un peu mieux. Tel point qu'on va se permettre de DPS un petit peu les trucs là. On va pas disperse. On a déjà beaucoup dépensé beaucoup de munitions. D'hydrazine. Même si on a un petit peu à récupérer là. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste toi qui n'a plus de points, donc tu vas reload. Il nous reste Aminou qui pourrait faire des trucs. En termes de cadeaux, il y en a par là. Je me souviens qu'il y en a ici, il y en a un là, il y en a un là aussi. Toi, t'es un petit peu exposé. Roger that. Engaging enemy. Oh. Je me suis tâté à changer d'arme pour balancer du lance-flamme, j'aurais dû. Ici, on a plus grand monde avec des points d'action. S'il y a toi, shoot-moi ça. Tu vois lui là? À 61%, ah, c'est pas ouf forcément. Target hit. I can't do that. Plus de points d'action. Là, on a un tir sur quelque chose d'intéressant. Sur toi. C'est toujours ça de prix. Là, il y a un scorpion egg, ok. Il y a un petit cadeau. Il nous reste toi. Bah écoute, tu viens nous buter Sni, ça en fera un de moins. Après, t'as plus de munitions et il faut que tu progresses un peu. Donc, va par là. Toi, t'as encore tous tes points par contre. Il te reste plein de choses à faire. Qu'est-ce que tu pourrais faire? D'utile dans le contexte. T'es un peu loin de l'action maintenant. Tu pourrais aller mettre un coup de lance-flamme là, mais ça m'embête quand même d'utiliser des munitions pour ça. Le petit PM, il fait pas le poids, je crois. On va te recentrer, t'amener par là. Là, tu peux gagner une case, vas-y. Toi aussi. Toi, tu restes un petit peu en tas et il n'y a plus personne à qui on avance. Ok, il meurt et il laisse deux petits. Ah putain.
J'aurais pu en laisser qu'un, quoi. Bah ouais, fallait te faire plus vite si tu voulais pas te prendre des coups. Ça t'apprendra. Ok, bon ça la rigueur. Franchement, ça me dérange pas, ils viennent jusque là, ils ont pas assez de points d'action pour taper. Ouh, moins 20 pour un mec là? Putain! Excusez-moi. Ah, il a déjà éclos l'œuf. Et là, il y a un alpha worm là. Faut qu'on se le fasse lui. Il va péter à la gueule de ses copains en plus. Ouh, le moral qui tombe là. Oh, le moins 24 à chaque fois à cause de juste de cet enfoiré là. Alors est-ce qu'il panique? Il berserk. Bon, au moins il tue pas sur ses copains, c'est déjà ça. Bon bah toi t'es tranquillisé alors que tu dois soigner tout le monde, c'est génial. Ok. Oh y'a un scorpion ici, je vois. Ok, c'est déjà ça de pris. Alors là du coup, lui il faut qu'on aille se le faire. Pas le choix. Non mais grasse-le pas. Mais t'es sérieuse? Merci. Il y a un skitter qui s'approche, mais rien de très grave. Putain, toi tu peux pas bouger quasiment. Mets-toi un petit bandage, voilà. Ok, 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 ok. Ici. Il faut qu'on aille mettre un petit peu de lance-flamme dedans, je pense. Yes, sir. On vient jusque là. On peut disperser là-bas. Une case de plus, ce serait mieux. Attack. Une grenade incendiaire. Et on parle plus. Voilà, merci. Le scorpion n'est pas mort. Le scorpion n'est pas mort, c'est normal, c'est un scorpion. Il résiste aux dégâts de flamme. Du coup, toi, t'as cramé tout ton chargeur. Fire. Recule un peu. Engaging enemy. Ouais, pas ouf. Prendre ça, recharger, qu'est-ce que tu peux cramer? Par ici, c'est beauf. Faudrait qu'on aille jusque là, non, c'est... il nous faut 12 pour faire ça. Là c'est pareil, c'est pas très intéressant. Ok, pour le moment, tu vas rien faire de plus. Ici, il faut qu'on mette des petites picouses. Non, faut pas de picouses! Allez, si, il fait des picouses. Désolé. On est loin, qu'est-ce qu'on est loin? Ils sont partout quoi. Est-ce que toi tu peux shooter lui? Ça m'arrangerait honnêtement. Ok, c'est cool. Par contre il y a le nid là qui va potentiellement nous en lâcher un autre. Tu pourrais aller là, pourquoi pas. Tu pourrais aller commencer à looter sinon. Yes,
Ah, là il y avait du loot, mais je sais plus, on a jamais vu ce que c'était du coup. Alors regarde quoi on a. Ah, des munitions incendiaires, ça c'est cool. Des cadeaux. Et il y a encore plein de trucs. Très bien. On a de la petite grenade là, limite. Ça pourrait être pas mal, une petite grenade. Il faudrait que le bleu se tire de là. Mais il a plus de mouvement. Understood. Toi, viens là. Défonce-nous ça. Out of ammo. Et après, tu nous balances une grenade là-dedans. Throwing grenade. C'est pas mal. Kill confirmed. Toi tu viens là. Fire. Engaging enemy. Un moins. Ici on a toujours lui qu'il faut gérer. Toi toi t'as plus moyen de bouger malheureusement, t'es coincé par les flammes. Tu le vois d'ici, parfait ça. Lance un petit scan qu'on voit ses PV. Il reste 439. Ah non, il n'y a pas d'angle de vue à cause de ces foutus rochers partout. Bon, lui, il faut qu'on s'en débarrasse, hein. Il est beaucoup trop relou. Ce caillou me coince, merde. Ça c'est con ça. Bah tu vas reculer Minou, tant pis pour toi. Pour le moment, on peut rien faire d'autre. Comment je vais pouvoir me faire celui-là là? Putain, faut faire plus de dégâts que ça, quoi. Roger that. Oh merde. Target hit. Allez. Target hit. Oh là là, 157, il va perdre 123 PV, il est pas mort, quoi. Si je veux tirer dessus, faut que j'arrive jusqu'ici. 53, ça suffit normalement. Ok, parfait. Tu vas reload avec ce qui te reste, le temps que t'es tranquillisé. Bon, il nous reste Demonic Chobiti. Mais il tente de se mettre en défense, ma chère. Le médic. Vas-y, viens jusque là. Avoine-moi ça. Ils font aussi peu de dégâts, c'est ouf. Comment ils font plus que ça normalement? Tu peux te mettre devant toi, non? Bon, 53. Ce foutu nœud, ce foutu teuf va probablement sortir, mais on n'y peut rien. Lui, on lui a fait peut-être assez mal pour qu'il décide de se replier, on verra. Ben voilà, le scorpion est sorti de son nid. Comment ils en veulent à Minou, quoi. Non, encore un comme ça, sérieux. Ah, il y a un Shadow Envoy en bas. Ah, j'étais pas sûr qu'il jouerait en sortant de son nid, mais si, visiblement. Ah, un Alpha. Coucou.
il s'enfuit pas. Aïe aïe aïe. Engaging enemy. Tu t'es tellement raté, Shobiti, sérieusement. C'est abusé. Non, on peut perdre niveau médic là. Mais non, casse pas les caisses. Il y a plein de chemins pour passer. Oh la vache, on a pris trop cher là. Ah, il y en a deux des aidés de Noël là. Ok, un nid détruit, c'est toujours ça de prix. Bon, c'est la merde. Il faudrait qu'on se replie et qu'on se regroupe là, je pense, parce que... Si Boumedic survit... Ouf. Ouais, panique, merde. Bon, ça va, elle a paniqué, mais pas trop. Je crois qu'on va la soigner quand même. Bah, qu'est-ce qu'il lui reste comme point? Ouais, on va pouvoir la soigner. Ah non, son moral est trop bas pour pouvoir se soigner, parfait. Ah oui, elle a raté son test de morale, donc elle peut pas, elle peut rien faire quoi. Elle va crever. Bah elle va crever, ouais, probablement. Parce que notre autre médic est beaucoup trop loin. Là, j'ai un petit kit de soins éventuellement avec Aminou. Roger that. Voilà, comme ça, ça lui fait remonter son moral au moins. Il va falloir soigner le bleu également. Alors jusqu'où on peut se replier? Toi, tu peux remonter, t'es coincé. Ah, t'es coincé genre coincé quoi. Ok, t'es coincé genre coincé. C'est pour ça qu'il casse le mur du coup. Parfait. Il faudrait qu'on tue ce truc là. Target hit. Enemy down. Voilà, ça fait un peu de place. Roger that. Ok. Ici pareil, il faut qu'on recule parce qu'il y a un enfoiré de scorpion. Ok, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là. Ouh, ça brûle. Parce que c'est un petit peu le bordel. Mais on va s'en tirer. Hein. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez revoir la VOD dans le chat, c'est le moment. Je bois un petit coup d'eau. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.